c'est moi-même qui dis ou vous ne doit pas croire, ou qui pense que c'est moi qui mette, c'est moi qui invente information. Eh bien, dans la vidéo, ça nous va le faire attendre. Aïe. Walk Philippe Vincent, mesdames et messieurs. Walk Philippe Vincent, sous Jovenel Moïse. Eh bien, je dis à la, mesdames et messieurs, ou pral saisi tande complot qui te gagné, mesdames et messieurs. Eh bien, dans le dossier assassinat Jovenel Moïse, là, à ce là, ancien premier ministre, ancien ministre de justice, Walk Philippe Vincent, mesdames et messieurs. Eh bien, monsieur l'a gué causé à te. Monsieur l'a gué information à te. Et vous pral saisi tande qualité complot ça. Jodia qui baye résultat assassinat Jovenel Moïse. Parce que c'est pas un assassinat pour moun pral à la légère. Parce que moun pas ta pi pense Walk Philippe Vincent pral cité non yo là. Et vous pral saisi tande action. Martin Moïse. Pierre Espérance, mesdames et messieurs, dans le dossier ça. Si c'est nous qui avons ou qui avons pensé, c'est nous-mêmes qui avons inventé cause. Parce que nous ne pas là pour nous inventer un. Nous avons fait des gens qui disent là, à l'heure dit là, et ce qui radio qui disent. Mais ce sont Radio Mega, dans l'émission Boukante la parole. Mesdames et messieurs, Walk Philippe Vincent, monsieur Gazibéya. Plate, en tant que monsieur, nous de route et président Jovenel Moïse Tebaou, est-ce que tu as des consignes claires et avant même qu'on prenne fonction président d'où mon cher m'a maintenant USCC mais ça pour fait mais ça gagne comme mission, est-ce que tu as un feuille de route et pour capable porter une rectification pour vous on va rentrer pour au prince comme directeur général USCC avant on était commissaire en chef au parquet près la cour d'appel de Port-au-Prince. Ensuite, quelques mois après, m'a promu directeur général de l'ULCC. En ce qui a trait à mission, qu'on parle de l'ILA, eh bien, mission que m'a gagné, c'est tout dossier qui était en suspens, tout dossier que enquêteur t'es déjà à paquet sous yo, c'est yo que me prend moins finaliser deux ou trois nan yo, mais m'te quitté quelques dossiers qui étaient déjà et sur le point d'être achevé, mais m'paté gon mission de président de la République là pour dire que il t'a orienté dans ça qui gagne à ouais à ULCC. Ça veut dire que l'aime de parler de fonction moi de parler de fonction de choix Jovenel Moïse t'a fait de vous. Ça veut dire que la toute première fonction, le tout premier poste, c'était directeur ULCC. L'arrivée ULCC, c'est là où Bral rencontre. Non, c'est pas tout le tout premier poste. Le tout premier poste, c'est commissaire en chef à la cour près la cour d'appel de Port-au-Prince. Mais est-ce que c'est président qui est maintenant en poste fonction ça? Oui, c'est lui-même. Ah OK, justement. Merci pour précision, m'a apprécié ça. Mais c'est pendant arrivé ULCC, tout même Jean en pile directeur général toujours fait salutation d'usage ou bien commencer et ou bien commencer frotter et en contact avec des employés en dans ULCC, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que c'est là où elle rencontrer Félix Badiou pour la première fois? Pour la première fois, moi rencontré Félix Badiou dans ULCC. Après quelques semaines. Quelle a été la fonction ou bien le poste occupé par Félix Badiou dans ULCC, l'ovini comme Badiou, directeur général? Félix Badiou me vient trouver dans poste li comme moun qui dans service de renseignement. Responsable service non, de renseignement service ou bien? De renseignement, ça, que il trouvait là. Il était responsable de ce service? Je pas qu'on est l'autre monde qui était dans le service de renseignement encore. OK. Et c'est là que je passé 5 mois comme directeur général ULCC
Mais là, je ne vais jamais recevoir aucun rapport écrit ou verbal de Félix Badjo. Sauf que Félix Badjo t'a montré nous côté que tout bagaillé en effet de gilet, en effet de yon série de bagailles que lorsque directeur qui était précédé maintenant, major, côté que yon t'a fait yon série de bagailles sous contrebande, et puis t'a montré yon série de bagailles. Sorry, le qui gilet, l'on dit gilet, on va parler de qui ça? Lorsque enquêteur yon allé dans enquête, yon obligé de gagner un gilet. Ah, ok. Parce que dossier gilet, ça... Il obligé de gagner un jacket. Jacket et gilet par balle. Oui, yeah. Ok. C'est ça, yo, monsieur Tapmontro. A fait gilet, ça me donne déjà. Oui. Puisque il y a des journalistes qui t'a joué un gilet. Il y a des journalistes pendant la manifestation qui t'a joué un gilet. Et depuis parler de gilet, ça avait badjo de gilet, il y a remonté dans la tête. C'est une histoire que je connais. Kounia, mais en termes de collaboration, ou directeur général USCC, Félix, Joseph Félix Badjo, responsable service de renseignement, ou sont précisés là, il n'y a jamais eu un rapport écrit de renseignement, pas jamais eu aucun rapport verbal sous un ensemble de informations et renseignements, monsieur Tapra, pour bureau, pas ça du tout. Pas une fois. Au contraire, c'est moi qui recevrai rapport de monsieur. Je recevrai rapport de monsieur, de directeur général d'alors, directeur général douane, Romel Bell, qui relève dans le téléphone, qui dit que Badjo a mené enquête sur deux employés douane que il gagnait. Au contraire, Badjo a fait question-réponse avec employé ça yo côté que l'a cherché puis rançonné. Moi-même, moi t'ai écrit, Badjo m'te convoqué li. Et là, m'te blâmé Badjo sévèrement. Et là, m'a blâmé Badjo sévèrement, c'était en face toute équipe moyen qui était dans cabinet m'nan. Au point que m'te gagné, m'te capable révoquer Badjo. Mais m'te gagné temps aller comme ministre de la justice. Ok, ça et soit garder Badjo, c'est moi qui fais révoquer Badjo dans l'ULCC. Parce que Badjo, moi te recevoir une dame qui a pris plusieurs fois dans le téléphone, qu'on a invité pour le rencontrer. Il est venu vraiment un après-midi. Il dit que Badjo prend 30 000 dollars américains en mail pour le capable laguer Maril qui est en prison. Prétextant que la travaille dans le ministère de la justice. Moi, m'te relé directeur. M'di bi capable révoquer Badjo. Et Badjo a été révoqué. Et sa lettre de révocation était sur tous les réseaux. Ok, ça veut dire que l'heure où vini ministre justice et sécurité publique, Badjo pat kon vin nou koto nan ministerial, pat kon vin wè ou pat go ken e relation et contact avec li, même si n'a rappelé pour tout monde que Badjo te travay dans ministère ça à une certaine époque. Le ça c'était Paul Denis qui était ministre justice n'a rappelé ça là nous nan année 2004 jusqu'à 2006. Il était kon vini de très souvent. Yo dim que Badjo t'a travaillé avec Paul Denis. Ensemble avec Léon Charles, dans renseignement. Ok. Badjo, ben, la fois dernière, autant de côté que yo trouvé yon machine que Badjo te la donne. Te la donne, yo arrêté. Et que machine, ça, c'est pour yon dame qui travaille dans le ministère de la justice. Mais pendant que moi-même, dans le pays, c'est là ça que moi-même. Moi au courant que Badjo te gain madame dans ministère de la justice que la menel chaque matin vient travailler
et que Simda va rencontrer Badjo sur la cour du ministère, c'est un employé de l'ULCC. Si l'approche me libam la main, faut me ka bay la main, faut me ka parler ensemble avec elle. Non, mais c'est ou te connais elle déjà, puisque ou te connais elle, ou te travaille avec elle dans l'ULCC. Eh bien, c'est ça même. Mm-hmm. Badjo n'a jamais été un consultant au ministère de la Justice. Dans le passage, moi, Badjo n'a jamais été mis à disposition au ministère de la Justice. Et puis, tout le même cabinet que m'te gagné, eh bien, c'est une série de monde qui n'a budget. C'est le ministère des Finances qui paye. Yo. Ok. Kounya là. J'aime gagner un cabinet particulier. Très bien. Nous finissons avec question ça, avec question traversée et connaissance ou ensemble avec Badjo. On allait où ministre et justice sous mon administration joute administration joute Moïse ou bien Moïse joute souvle et moi songe dans interview Joseph joute accordé avec Blaise Peterson journaliste il dit que c'est pas première fois tu gagne des complots contre Jovenel Moïse ou même qui était ministre justice et sécurité membre CSPN souvle est-ce que tu as des informations qui t'ont venu joindre nous comme quoi tu as gagné des gros complots qui t'a mariné pour être capable de jeter Jovenel d'une part et d'autre part même river assassiner là peut-être nous ca et mettre en évidence tout nous songel et tentative coup d'état qui est faite 7 février 2021 pas une seconde, moi te recevoir des renseignements, des informations sur quelconque assassinat. On dirait que moi-même, je suis victime de tout. Parce que c'était le seul ami que j'avais à Port-au-Prince. C'était le seul ami que je me gagne comme référence. Et c'est le seul monde tout. Que m'te kon aller la kayli, lè m'rele nan téléphone, m'aller la kayli, li di m'met vini. Se seul moun tout comme ministre qui pa gen rendez-vous avec l kalé nan palais. C'est lui qui retire mon cap haïtien qui rentre avec ma Port-au-Prince. M'pa de jan m'ap travay a Port-au-Prince. Et c'est sous gouvernement pendant 2 ans. Un an et quelques bons mois que je travaille en Samavelle. Je ne travaille pas au prince. Je ne connais personne à Port-au-Prince. Ça veut dire que malgré... Je rencontre des gens à Port-au-Prince au ministère. Rockefeller, malgré Joute Joseph, ancien premier ministre, fait déclaration ça et que le dévier plusieurs... Qui ça le dit? Le dévier plusieurs coups. Et pour Jovenel Moïse qui a été assassiné, Jovenel était en équipe d'information, ben ça pas jamais discuté ni en conseil des ministres ni en CSPN. Bon, s'il dévie plusieurs coups, c'est lui qui connaît coup. Moi même en tant que ministre de la Justice, je n'ai jamais au courant de ça. Yo. Ou du moins et la primature m'a tenu à l'écart de ces informations. Où t'es ministre les premières tentatives coup d'état dans Tibois et ah oui qui ça ou même où t'es gagné comme premier élément d'information sous tentative coup d'état ça là m'a parlé avec ministre justice et sécurité publique là ou bien qui soit finalement gagné comme oui qui soit gagné comme élément d'information et renseignement sur ça que t'as passé yo? Je n'avais pas d'éléments d'information, de premier élément d'information, c'est que dans la soirée, aux environs de 9 heures et quelques minutes, président Relem, les dîmes, les besoins, les rentrer la Kaili, moi trouver Léon Charles, moi trouver Dimitri Erard. Mais Dimitri Erra a fait président tendé une série de voice que vous voyez sur téléphone. Dimitri Erra a fait président connaît
que Mounsa yo, mais qui côté que yo yé? Mais qui côté dame nan qui en chef là, qui inspecteur général? Inspecteur général là, mais qui côté que yo yé? Président mandem qui a vu pas, m'dien bien. M'di Mounsa yo s'est arrêté puis yo capable arrêter yo, et puis yo capable voyer au tribunal. Et c'est ce qui a été fait. Mais je n'avais pas d'éléments d'information. OK. Le 6 juillet. Et probablement, oui. Ça qui arrivait côté par la présidente le 6. Mais, dans la nuit 6 pour l'ouvrir. Non, c'était en février, oui. Non, nous quittons février, 7 février, oui, ma parole. Nous quittons février, Kounia. Première tentative d'assassinat. Nous quittons, nous quittons ça. Nous avons 6-7 juillet, Kounia. 6-7 mm-hmm. juillet. Mm-hmm. Ça qui arrive côté par la présidente le 6, ça qui arrive côté par la présidente le 5. Mais, dans qui premier moment. Non. Ou pas de parler avec elle, ok. Dans qui premier moment après assassinat, ou bral connaît, ou bral joint l'information que le président mourit, là, nous avons 7 dans matin bonheur. Ou ka reprendre une question pour moi encore? Là, nous exactement 7 juillet 2021. Après assassinat, président Jovenel Moïse. Comme ministre justice et sécurité publique, dans qui moment ou bral apprendre nouvel assassinat président? C'est premier ministre qui dérèle, oui? Claude Joseph. C'était premier ministre Claude qui dérèle. Il prèle un peu, dit ça, et puis il dit ça, qu'il convoque nous tous pour yon point de presse. Vek il est premier ministre Tegelo? Je ne peux pas rappeler vraiment, mais c'était aux environs de 5 heures pour aller 5 heures du matin comme ça. 5 heures. Qui te réaction et ministre Rockefeller, Zami ou mes amis, mes amis, mouri frette. Mouri, je ne peux pas camper. Je ne peux pas faire rien, bébé. Et essayez font ces exercices. M'pas qu'à parler. Essayez font ces exercices pour nous. Qui Jean PM nan, PM Claude Joseph annonce une nouvelle là. Font ces exercices pour nous. Font ces rappels. Qui en dit ça? M'pas qu'à faire aucun exercice de ça parce que c'est Jean qui me dit là. M'pas qu'à parler de ça. Non, lui seulement dit et Jovenel mourir, président mourir. Comme ça? Oui. M'pas qu'à parler bien. Comme chef, ministre de la Justice, Zamion mouri, président mouri, qui première action qu'on va le poser comme ministre de Justice et Sécurité publique? Première action que me poser, moi relé Léon Charles, moi dit que mais que me tendez que président en difficulté, est-ce que il voyait backup? Il dit moi qu'il est voyé vacant. Laisse ça président pour qu'on mourir ou bien mourir. Là on parlait de président difficulté. Pas connait laisse ça président. Ministre Vincent. Oui. Bon et on est pas qu'à on pas qu'à absorber sujet ça parce que je n'ai parlé là. J'ai l'impression et on pas qu'à absorber sujet à j'en dis là. Et comment? Oui, parce que je me sens comme si j'ai une émotion, c'est ça? Bon, pas vraiment, parce que assassiner la présidente, c'est un bagage qui fait mal en pile, qui terrasse moins, qui. Ben. Mais l'or est Léon Charles, qui ça le dit? Il dit qu'il voulait backup. Il voulait backup comme président. Oui. OK. Et après? Il va dire rien encore. Rien. Moi le pas jamais trouver encore. Ou pas jamais venir. Premier ministre Mbrala dit tout le monde que et toute bagaille sous contrôle. Moi connais côté au courant de ça. Et quitter pendant exercice convocation tout ministre et qui ça nous t'entendre nous et pendant convocation en fait après assassinat président. À te dire vraiment guerrier moi-même pas posséder me présenter
mais cependant, m'pas possédé. M'pas possédé. M'fini un seul coup. Ok. Gen une information que moi entendé et Pierre Espérance parler de lui. Pierre Espérance n'a pas rappelé. C'est lui-même qui est propriétaire et RNDDH, réseau Cap Défense Douamoun. Li toujours parlé de Martine Moïse qui était à l'Ankaïla et qui était pris l'argent. Et dans le monde, li dit qu'il était accompagné Martine Moïse pour y aller chercher l'argent dans l'Ankaïla. Li cité commissaire gouvernement Bedford à l'époque. Li cité ou même tout comme ministre et justice et sécurité publique qui était accompagné Martine dans l'Ankaïla pour aller prendre l'argent. Et Martine Moïse te fait une déclaration. Li dit ou qui l'est ou a arrêté et Joseph Félix Badjo. Mais avant, bon garder ça. Est-ce que c'est relation amicale qui te fait que ou t'es obligé de monter avec Martine Moïse aller dans Kaila ou bien c'était le ministre qui t'a gagné mission ça pour t'es aller dans Kaila après assassinat pour accompagner et madame président. On va dire les deux. Pour qui ça les deux? Parce que moi même ensemble avec président Jovenel, ses frères, ses amis les malais là caï président m'a parlé ensemble avec elle. Mais si madame n'a besoin président l'a vinn côté l'a salué tout avant président et prend investiture nous était toujours ensemble avec yo dans le nord-est, dans le nord. Première dame nan vini, gon fait qui passe, assassin la président, mwen poko jam monte en l'air. Juge de paix a monté, commissaire du gouvernement a monté. D'ailleurs, c'est mwen tere leyo, c'était pour ba madame nan accès. Parce que mwen même pa ka bay accès. Eh bien, monter pour capable comment yo assassiner kay président avec coup de balle. Mais m'pa te jam tan de côté première dame nan te poser une question comme ça. Et même l'œil t'a va poser une question comme ça. Il y a le juge de paix, le juge verbalisateur qui est là. Qui était là? Il y a le commissaire du gouvernement qui part aller dernière fois, qui était allé déjà. Il gagne un mandat qui était décerné déjà contre tout le monde, notamment dit qui participait à l'assassinat. Ça veut dire que c'est enfoncé une porte déjà ouverte. N'a venu un mandat qui t'a joué tout le monde ouais ou très affirmatif tout le monde qui t'a participé dans l'assassinat. Ça moi on t'ai souligné li. Mais est-ce que ou t'es rentré dans Kaila et ministre Vincent? Moi rentré dans salle côté président qu'on rencontre maintenant. Me garder en l'air. Moi trop balle qui gagne même pas jamais monter en l'air. OK. Sûrement que c'est en délégation aller ou tant première dame pour te déplacer avec elle. C'est pas vrai? Juge de paix attend là il sorti. Et puis il remet ses lettres. OK. À combien mallette et les sorti jour ça? Combien mallette? Et c'était que plusieurs monde capé d'elle transporter mallette, transporter bagage. On va déjà moi bailler comme ça, non? Oui, bien si il défait, ou bien si il défait, il n'aperçu. Ok. Ou pas de constater, Jean-Pierre Espérance dit là, madame nan sorti avec plusieurs mallettes. Yo même dit, gagné mallette, kap, balab déversé, etc. Ou même ou pas de constater, bah, ça. Pierre Espérance, t'es là. Bon, mais ça fait ou pas qu'on non, yo ka, gon moun qui doit rapporter.
parce qu'il bat là de fait. Oui, mais rapportez avec un constat qu'on fait, c'est deux bagages différents. Kounya, nous allons venir sur le sujet qui intéresse. Non, mais avant de demander ça, et ministre Vincent, est-ce que un de ministre qui a dirigé a pas de gain en rubrique, pas de gain en ligne dans le budget qui était alloué à question renseignement? Est-ce que pas de ça? Pas de quoi bon dans. Tout à fait. T'es con quoi pour ça? Oui. On parle de 6 millions de gouttes chaque mois pour renseignement. Ça, c'est un bagage qui était dans l'État. OK. Mais, renseignement, pourquoi? Parce que, vous vous dites, ou pas d'information, ou presque pas d'information sur ce qui a passé pour te assassiner le président, ni coup d'État. Ça veut dire que l'argent pour renseignement, il servait à qui ça, finalement? Eh bien, informateur, vous-même, vous partez. Informateur qui est dans le ministère de la Justice, là, il va être au courant, tout simplement. Parce que les informateurs, renseignements qui gagnent, ou gagnent renseignements, eh bien, nous avons dit, premier ministre, vous même, vous gagnez renseignements, tout. Bon, pour tout le monde. Nous avons dit, intérieur gagne renseignements. Qui te dit pour tout le monde qui a côté là, gagne 5 institutions qui travaillent sur renseignement dans le pays. Hein? Palais national gagne une ligne budgétaire pour renseignement. Primature gagne une ligne pour renseignement. Ministère justice gagne une ligne pour renseignement. Par ministère justice, ça me parlé avec un ministre, elle te parlé de 6 millions de gouttes chaque mois. Gagne tout et la police qui gagne une ligne budgétaire pour renseignement. On a 5 institutions dans le pays qui gagne dans le budget une ligne. Qui gagne, qui est en rubrique, qui est renseignement, et gagne l'argent qui a loué à ça. Ça est très important. Je voulais que nous focus sur la question ça. Mais, si vous avez qui ont dérangé l'opinion, tu as une période, tu as un mandat qui a joué plusieurs personnes, mais ça vient de d'un coup, annuler le mandat. Tu as même une interdiction de départ. Pour qui ça? Nous te voulons mêler Ariel Henry à l'époque Premier ministre. Pour qui ça, Ariel Henry? Pour que Félix Vincent? Bon. Écoutez bien. Ma partie, attention, opinion publique là. Et tout le monde qui a écouté pour garder la parole. C'est qu'on y a que moi-même, je vais parler bien sous ça. En tant que ministre de la justice et de la sécurité publique, moi gagne deux chapeaux. Moi gon chapeau ministre de la justice, côté que moi gagne des commissaires du gouvernement en bas moi. Moi gagne notaire, moi gagne greffier, moi gagne administrateur. Et autres, même pas gagne juge de paix, pas gagne juge d'instruction, pas gagne doyen sous compte moi et sous compte CSPJ. Ministre de la sécurité publique. Moi gagne le directeur général de la police. Moi gagne le secrétaire d'État de la sécurité publique. Le directeur général li gagne tout policier en bas men li. Mais moi-même, en ce qui a trait à sécurité publique, c'est signé comme signé pour directeur général. Et moi-même, on allait côté directeur général là. Puis capable bam, on série des informations. Et il gon série de rapports puis capable bam moi tout. Mais m'pa moun pour me dire que mais m'décerner un mandat parce que m'pa ka décerner mandat. C'est le commissaire du gouvernement qui gagne à voir au directeur général et puis pour capable exécuter puis au bail mandat et exécuter mandat. Dans CSPN
où est le directeur général, il est toujours là dans le compte CSPN. Ça veut dire que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, il gagne un droit de regard presque général sur la sécurité publique. Il reçoit des rapports, il reçoit des informations. Mais c'est tout ça que m'a dit. En ce qui a trait aux mandats qui ont été décernés, pas oublier que moi-même, je suis ministre de la Justice. Moi, j'ai le commissaire du gouvernement qui travaille de concert ensemble avec moi. C'est pourquoi dans toute réunion, moi toujours dit commissaire mio, c'est un petit ministre de la justice yo dans juridiction yo. Les assassinats fin perpétrés, nous toujours en rapport avec des CPJ. Et me rappeler, m'étais ensemble avec commissaire Bedford à la direction générale de la police. Les mois gain petit retard. Puis on capable voir rapport à bail commissaire du gouvernement. Moi toujours à peu pressuré monsieur yo. Puis on capable voir rapport à aller. Mais DCPJ travaille immense. Peut-être dans le souci de bien faire, il prend pile temps. Mais ce jour-là que j'étais ensemble avec le commissaire Bedford, j'étais ensemble avec le directeur de CPJ, j'étais ensemble avec Léon Charles, comme directeur général d'alors, moi j'étais dit directeur les comptes. Si dans un rapport ça, si dans enquête ça, vous trouvez c'est moi qui coupable, c'est arrêtez-moi. Si c'est directeur général là, vous trouvez qui coupable, c'est arrêtez-lui. Si vous trouvez c'est commissaire du gouvernement qui impliqué, c'est pour arrêter-lui. Et si c'est vous-même tout, arrêtez tête tout. Eh bien, lorsque vous voyez rapport bas commissaire du gouvernement, il t'a gagné l'autre rapport qui te suivre rapport de CPJ. On a parlé de rapport de parti politique qui aurait les Vive Haïti. M'a parlé de rapport RNDDH là, avec le fameux Pierre Espérance. Tout de suite, commissaire du gouvernement, il montait côté dans le ministère, il fait état de rapport, yo. Il dit si c'est ainsi, wap adresser yon correspondance à Digicel. Et wap mandel, pi bon yon rapport relevé d'appel téléphonique de tout téléphone et particulièrement de numéro téléphone d'ailleurs. Eh bien, DCP.